tous et bienvenue dans le Petit Journal. Tout le mois de février, l'Alpe d'Huez célèbre les 50 ans des JO d'hiver de 1968. L'épreuve de bobsleigh avait lieu dans la station. Retour sur cet événement. Il y a de ça 47 ans, l'Alpe d'Huez, ville olympique, organisait sur ses montagnes les épreuves de bobsleigh. Disputé la nuit lors des JO d'hiver de Grenoble en 1968, ce sport faisait déjà partie des disciplines reines des Jeux. Détaché par l'armée pour participer à cette compétition, Gérard Christo était bobeur à cette époque. Il est revenu dans le massif des Grandes Rousses, sur les terres de ses exploits. Si on va au sommet là-haut, il doit y avoir la route qui arrive à ce chalet, et on doit voir la trace de la piste à côté. C'était des gros JMC de l'armée qui montaient les bobs, je me rappelle. Associé à son frère Jacques dans le bobsleigh, ils ont dominé les sélections olympiques françaises. À domicile et connaissant les moindres recoins de cette piste glacée, Gérard et Jacques Christo pouvaient maintenant se frotter aux cadors de la discipline. Le jour de l'épreuve, il y a eu un fait marquant, aussi marquant que notre qualification d'ailleurs, puisque à la première manche, on était quatrième ex aequo avec le champion du monde. Et puis à la deuxième manche, on est tombé dans l'avant-dernier virage. On est tout simplement passé à travers la glace, quoi, parce que la glace était un peu molle, on est passé un peu trop haut dans le virage et la glace s'est effondrée sous le bob. Et donc on a terminé quand même, mais en marche arrière, ça a été une histoire très connue. On a fait un tête à queue dans la courbe, on s'est retrouvé en marche arrière. Évidemment, j'ai freiné beaucoup parce que en marche arrière, on ne maîtrisait rien du tout et on a terminé dernier. Exposé plein sud, la piste de bobsleigh de l'Alpe d'Huez devenait vite impraticable au fur et à mesure que le soleil faisait son chemin. Obligés donc de courir la nuit, les bobeurs olympiques se sont confrontés à de nombreux imprévus et une organisation particulière. Plusieurs fois on se présentait sur la piste pour descendre, aux entraînements officiels prévus, et puis on ne pouvait pas parce qu'il faisait trop chaud, parce que le soleil tapait sur la glace, parce que la glace était piquée, on disait bon c'est pas possible, on reporte, et on reportait tout le temps les entraînements, et puis on rentrait dans nos hôtels à disposition, alors des fois on dormait, et à 1h du matin, c'était le branle-bas de combat, les responsables de la piste appelaient dans tous les hôtels et emmenaient descendre au milieu de la nuit. Ça a été pratiquement tout le temps comme ça. Les problèmes de la piste, ça a été la fragilité de la glace surtout, puisqu'après ils ont été amenés à porter des pains de glace réfrigérés par camion pour boucher les trous, puisque les réparations traditionnelles, elles ne marchaient pas, il faisait trop chaud. Au départ, nous, on était tellement contents d'avoir une piste en France, et en plus, qui était réputée comme étant une belle piste moderne, on était très contents. Partagé entre la passion des Jeux Olympiques et l'envie de découvrir un sport méconnu des Français, de nombreux spectateurs faisaient le déplacement à 2000 mètres d'altitude. Un déplacement pour venir voir ces véritables bolides de course, dépassant parfois les 150 km/h. Il y avait beaucoup de monde, oui, il y avait un chemin tout au long de la piste, il y avait des passerelles, il y avait des tribunes. Non, il y avait beaucoup de monde, parce que d'abord c'était nouveau en France. Les gens avaient souvent entendu parler du bob, mais n'en avaient jamais vu. Et les Grenoblois venaient nombreux. Évidemment, quand on faisait les descentes d'entraînement, ce n'était pas le cas, parce que personne ne savait à quelle heure on allait descendre. Mais le jour des épreuves, on a eu la chance, c'est qu'on a couru à une heure normale. Je ne m'en rappelle pas exactement, mais ça devait être 9h ou 10h du soir, il y avait beaucoup de monde. C'est fou quand même ça. On s'est retrouvé là 40 ans, que je dis 40 ans. Ça, c'était le bâtiment quand je l'ai pris. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Les bobs partaient ici. Le toit, c'était un... Le toit, il n'y avait pas de toit terrasse, et il n'y avait pas de terrasse. Le départ était le long, là. Voilà. Puis il n'y avait même pas le toit, je crois que c'était comme un bloc de béton, c'était un cube. Oui, parce qu'on attendait, on passait beaucoup de temps, là, à attendre que notre tour. Et comme des fois, il y avait des interruptions, il y avait des chutes, on passait des heures ici. Donc c'est ça, elle sert pour les athlètes à attendre au chaud. Aujourd'hui, seulement 19 pistes de bobsleigh dans le monde sont toujours en activité. 47 ans après, celle de l'Alpe d'Huez n'existe plus, au point même de ne presque plus en apercevoir le moindre vestige. Il y avait une piste construite à l'Alpe d'Huez pour les championnats du monde. Ici, juste à côté de celle-là, elle a été détruite tout de suite après. Après, on a eu la piste d'ici qui s'est arrêtée le lendemain même de la dernière manche du bobacage. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas laissé au moins un virage. Même quitte à ce qu'il soit tronqué devant et derrière, mais au moins un souvenir, parce que ça a quand même été une grande aventure. Vous souhaitez approfondir? Rendez-vous au deuxième étage du Palais des Sports au musée pour l'exposition à 100 à l'heure. L'aventure olympique du bobsleigh à l'Alpe d'Huez en 1968. Autre rendez-vous à ne pas rater cette semaine, le ski show, spectacle de l'ESF. Rendez-vous à 18h15 au pied de la piste du Signal. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.